Insécurité à Nan Jérémy, dans le niveau 3e section communale Prévillé, il y a un bandit à examen qui fait un viol collectif contre 4 femmes parmi eux. Il y a une jeune fille qui a 17 ans, violeur qui a quitté et bat victime avec tout mari et prend tout sa requête sur eux. Il y a un coordonnateur unité départementale, la Gardasla et contre trafic Moun, Gérald Guillaume, lui-même est dénoncé. Il demande l'autorité dans l'État pour qu'il prenne responsabilité au détail, Jean-Garry Joseph. 4 femmes même localité victime viol ak maspinage en bas mais plusieurs présumés bandits ak zam dans la nuit vendredi 7 pour arriver samedi 8 d'août 2021 dans localité Choram qui c'est 3e section Prévillé commune Jérémy présumé bandits violé sa yo mari mesdames yo violé yo et puis pote aller tout bagaille important dans kailan parmi victimes yo gen ti fi 17 l'année coordinateur unité départementale contre trafic timoun dans région Grand-Anse Gérald Guillaume dit déjà accompagner 4 victimes ça pour permettre yo prendre soin car yo mérité toutefois n'a fait remarquer 2 parmi femmes victimes yo gen bébé 7 mois c'est un crime odieux personne pas ka joindre mot pour qualifier ça qui passé dans 3e section commune Jérémy localité Choran côté un groupe bandit armé rentré dans communauté a yo allé dans plusieurs cailles gen 3 bandits qui passé son femme pendant nuit là yo couché un type demoiselle qui a 17 ans yo bat mari moun yo bat yo maré yo pote aller tout objet important moun yo gen nan kay la nous même au niveau de l'idée et mon fait gars qui accompagne victime ça aujourd'hui hein, nous mandé la police ak la justice pour assumer responsabilité yo par rapport à zak odieux ça jodi li pas normal pour un dans communauté 3e section commune Jérémy pour ces insécurité qui a valé terrain faut autorité l'état ou di un mot par rapport à zak odieux ça qui méritait correction. Coordonnateur IDETLAN, Gérald Guillaume, qualifié exactement ça de crime odieux, pendant le mandat de la justice avec la police pour prendre responsabilité pour arrêter présumé bandit ça. Fos l'audio dans Saint-Marc arrêté vendredi en de l'autre éclaireur qui fait partie et gang qui pote non grand griffe là et qui n'en s'en vient. Mais éclaireur ça y a aussi Harold Exilien avec Jackson Alexandre Détaillot, Guiliano c'est facile. La police dans la région mettait en bacode. Avant l'exilien, il y a une pigou antenne, base grand griffe, gagné en dedans localité patrouille. Arrestation en fait vendredi 7 août passé dans la zone cimetière Montpey. D'après information, avant l'exilien, c'est une antenne, base grand griffe, fait confiance en dedans localité patrouille. De l'autre côté, Alexandre Jackson, joint arrestation dans le marché public pour son gré, journée samedi 8 août passé. Alexandre Jackson était arrêté le mois passé à cause de conservation comme antenne. Pour base grand griffe ça vient. Ensuite, il est bay bandi au côté pour abriter yo. La police a privé sur yo dans zone Mopey. Alexandre Jackson, c'est responsable, yo parti dans marché diri pour sonder. Il déjoint libération le mois passé. Une autre fois encore, la police tourne arrêté. De Vincent Georges Davidson, yon agent APNA qui perdu la vie à tout yon dame qui était accompagné. Là, ça passait ailleurs. Dame Natal Mouga. Dans un accident moto, ça arrivé dans un moment où j'ai conduit moto ça qui a rentré dans un poteau, c'est dans la localité lundi qui dans la commune Torbeck dans ce pays, ça arrivé. Détail avec Jean-Garry Joseph. Décembre, Georges Davidson, agent 1, c'est non, un agent APNA qui mourit par accident dans un moment. Agent APNA qui a sorti lundi dans la localité, dans la 9e section fond Torbeck, commune Jérémy, dans le match football. Policien qui t'a accompagné une dame mourit sous place dans un moment où tu étais client, il t'a conduit à rentrer dans un poteau électrique. Alors ce qui damna talmouri la salle d'urgence hôpital Saint-Antoine Jérémie. Fondation Jéclairé dénoncé ça fait impunité hein, et cap régné dans pays hein, avec une violence cap fait garder derrière qui installé en Haïti et cap et alors mettre en pile deux dans la population hein, même petit bébé avec un monde qui enceinte pas épargné dans communiqué FJKL et mandé gouvernement pour les suspendre collaborer avec gang armé capable craser association gangyo ak pour arrêter silayo et clameur public en dénoncer yo détail Marie en côté précision Marie-Hélène Gilles qui est directrice exécutive Fondation Jéclairé. Fondation Jéclairé observe une divise d'alzac de violence qui a multiplié depuis quelques jours dans le pays surtout dans le côté populaire yo côté presque c'est chaque jour conseil de crime horrible qui a fait
il y a des groupes même qui actifs, par exemple, et groupes qui religieux, neuf en famille et alliés, moyen tout. C'est des groupes que vous dénoncez. Lorsqu'un des magistrats en après dans cette soirée là qui t'a parlé dans divers médias dans la capitale là, jour qui était 20 juillet 2020. Il fait état de plus que 25 personnes qui mourent en babal dans la cité, même petit bébé pas épargné. Tout ça passait comme si l'autorité n'avait pas existé. Il fait un complice depuis les actes d'assassinat qui a fait. Pas d'arrestation, pas d'interpellation, criminels qui clairement identifiés, ils continuent à bénéficier d'une impunité officielle. Il n'y a aucun propos. Exit KL noté, entre 18 juin pour 2 août 2020, il y a une femme enceinte qui perdu la vie. Il y a deux petits bébés qui mourent. Il y a une mineure de 14 ans qui mourent tout dans des circonstances atroces qui révoltent conscience de la population. Si nous prenons le cas, il y a un rang de police, 25 juillet 2020. Femme enceinte, ça, et il est succombé et en bas balle, il prend balle dans la tête. Il y a seulement 27 ans, il était enceinte 9 mois dans la Cité Soleil. Il y a des cas, un petit bébé qui est Méridina Fleurimont, 12 juillet, 8 mois seulement, il prend balle dans la Cité Soleil, il mourit là pour là. Et ça, plus grave là, juge de paix qui t'a intervenu dans la presse, il avoue qu'il n'est pas capable de réaliser constat et cadavre là. À cause de la police qui n'est pas capable de vivre dans la zone où les cadavres là. 2 août 2020, il y a Godson Joseph, il y a un bébé 4 mois, il mourit tout, alors qu'il était passager à bord du minibus. Il a criblé minibus là en babal dans la localité, papa est dans la zone grandie. Alors que maman petite là qui était là, victime que petite dame qui était portée petite là comme passager, il joue un mort tout là puis là. Alors que gang ça vous gang qui clairement identifié, qui dénommé 400 Marozo, l'a dirigé pour l'an mois sans jour, et groupe ça, lui a coopéré en toute impunité. Gagné Mamoun Régis, au Cap-Haïtien, un petit monde qui connaît la vie machine, lui mourit et ses agents sécurité Cap-Delia qui touillent. Et JKL jugé que gros scandale ça, yo, yo pas capable de rester comme ça. Faut que la police avec la justice rassemble des preuves. Pour arrêter moun sa yo, voyez au bail la justice répressive. Alors, je suis en pile là-dedans, yo clame au public dénoncé. Fondation J.K.L.E. demande aux autorités qui sont dans le gouvernement pour suspendre collaborer avec les gangs, pour prendre responsabilité, prendre des mesures nécessaires pour mettre fin à climat de violence qui a généralisé dans le pays. Dissoudre l'association gang armée sa yo, mettez hors la loi. Procéder à arrestation chef gangio, toute que population a jamais suspendre et avec la même publique dénoncer yo, remettre tout chef gang sa yo, tout chef bandit sa yo, bah la justice répressive. Une déclaration Marie-Yolaine Gilles n'a pas parlé qu'il y a de conflit entre l'État haïtien avec ce général original Max Jean Vorbe déposé en plainte dans CSPJ contre doyen tribunal civil Port-au-Prince là avec tout juge instruction Mathieu Chanlat. C'est juge Chanlat qui était bail l'ordre pour te faire parmi l'autre saisi et KSO général sur route aéroport avec Kai Dimitri Vorbe original Max Vorbe qui fait connaître les victimes de sa relais ont abus pouvoir à autorité bon côté de et juge ça rappelé li pa yon actionnaire et même yon membre conseil administration ce général il lance appel bay conseil supérieur pouvoir judiciaire là pour capable prendre toutes mesures dans quatre dossiers ça en côté précision maître Fofan Guérilus un avocat original Max Chanforbe. Alors ça c'est en action individuelle et des clients des original Max Chanforbe. On est nous même en tant qu'avocat donc nous pas saisi CSPJ. Alors client lui-même c'est lui-même qui victime, lui décider et porter plainte donc nous même en tant qu'avocat c'est devant tribunal lorsque bon juge qui prend une décision contre client nous si nous pas satisfait avec lui n'a pas exercé voie de recours sous quelle que soit forme non. Mais nous-mêmes, nous pas saisi et CSPJ, qui c'est organe de discipline de carrière magistrale. C'est si je comprends, c'est le citoyen régional Marc Jean Vorbe qui décidait de saisir CSPJ. Puisque l'estime ah oui, que exactement. Dit... Exactement. Maintenant, plein de ça, le déposé, quel est le motif? Il estimait qu'il est victime d'abus d'autorité et de pouvoir et de la part du juge Mathieu Chanlat. Maintenant, est-ce que au regard de la loi, des marchés clients
l'illégal. Bon, client lui-même, c'est pas il pas avocat, ouais ça me donne donc il nous te pose des problèmes non. Donc on connaît monde qui a souffert avec monde qui a dit pour diable pas même bagaille, ouais ça me donne. Donc client c'est lui-même qui victime et il pote un dossier et dans cabinet nous client gon dossier nous même nous gon cause que n'a soutenu. Donc nous dit nous-même mais qui méthode de travail nous, mais qui ça n'a fait. Donc, dans un premier temps, il pensait que nous-mêmes, nous sommes capables de porter plainte. Nous disons non, nous-mêmes, nous ne pouvons pas porter plainte contre décision juge. Nous ne pas même commenter décision juge. Lorsqu'on juge, prend une décision qui cause grief avec client, nous portons devant le tribunal supérieur. Donc, nous exerçons voie de recours. Nous sommes capables de faire des bagages. Mais est-ce que n'importe citoyen, s'il estime que les victimes, sous quelle que soit la forme de on juge, les pas capoter peut-être CSPJ. Ah oui, capable, et c'est ça. Et par exemple, et loi 13 novembre 2007 qui crée CSPJ en permet et n'importe qui citoyen capable de porter plainte. Sauf que c'est qu'il y a une procédure qui longue. Oui, c'est ça le fait. Qu'on a une procédure qui longue. Dans ça, maintenant, quand par exemple, client pas maintenant, original Marc Jean Vob, et qui ça, par exemple, article 22, article 23, et loi qui crée CSPJ en dit, si on individu, on citoyen estimé qu'elle est victime des comportements au juge, donc il est capable de porter plainte, mais pour porter plainte, il peut porter plainte d'abord devant le parquet a pas cheminé plainte devant le ministère de la Justice, et le ministère de la Justice a pas cheminé devant le CSPJ. Ça, c'est la première étape à suivre. Si toutefois, l'étape n'a pas abouti à ce moment-là, le citoyen est capable de saisir directement CSPJ. Donc, est-ce que c'est ça que client en fait? Non, ce n'est pas ça le fait. Parce que dans les circonstances et dossier parlant, il estime que c'est pouvoir, ouais, ça me donne, qui instrumentalise le parquet, instrumentalise le tribunal de première instance, il décide d'aller directement maintenant, quitte à CSPJ lui-même, pour qu'il analyse recevabilité ou non plainte et client. Non. Mais plainte, non, et c'est à titre individuel que le client fait lui-même, mais nous-mêmes, il a fait ce qu'il doit, faire ce qu'il doit, c'est devant tribunal.